la palme de la banque la plus dynamique et la plus innovante de la Guinée. La lauréate se caractérise par sa constance dans son statut de première banque guinéenne des crédits à l'économie et des crédits à la consommation grâce à sa bonne assise financière, son capital savoir-faire ainsi que ses outils innovants et adaptés répondant aux normes nationales et internationales. Elle est filiale du groupe mondial de référence leader des services bancaires et financiers en Europe, BNP Paribas. Il s'agit bien de la BCG, Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Guinée. Félicitations. Nous vous proposons à présent une vidéo de présentation de la BCG avant que M. Mangafou du Touré, directeur général de la BCG. Créée en 1985, la BCG a toujours su appréhender et comprendre les mutations socio-économiques grâce à sa grande capacité d'anticipation sur les préoccupations et attentes de sa clientèle, d'où sa posture naturelle d'être l'un des leaders du marché bancaire guinéen. La BCG est créée en 1985. Bien entendu, c'est le moment où les banques d'État de la République de Guinée avaient été fermées. Et donc d'autres banques privées sont nées sur leur cendre, parmi lesquelles la BCG, entre l'État guinéen et les partenaires étrangers qui se trouvent être BNP Paribas, la SFI, Wafarco, etc. Ainsi, la BCG dispose du plus grand réseau d'agences du système bancaire avec pas moins de 30 agences et un centre d'affaires corporate professionnelle. Nous sommes donné une approche de banque de réseau. D'abord, de bien nous implanter à Conakry et dans tous les grands centres économiques du pays. Nous sommes donc partis de 2 ou 3 agences au départ pour arriver chemin faisant et dans la durée à une trentaine d'agences. Donc, non seulement à Conakry, mais dans toutes les grandes villes du pays. La BCG est réputée surtout pour son savoir-faire et le niveau d'engagement élevé de ses équipes respectueuses des normes d'éthique et de conformité. Nous avons toujours accordé une première importance à la qualité. Nous avons toujours eu un service de qualité. On commence d'abord à traiter à suffisance toutes les réclamations clientèles à la satisfaction de nos relations. Cet service qualité s'est transformé en service qualité RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce service relève de la direction générale et c'est donc à ce prix que la BCG a eu une bonne réputation sur la qualité de ses services. La BCG a l'avantage d'appartenir à un groupe de référence BNP Paribas, ce qui lui permet d'assurer des prestations et des services fortement appréciés. Depuis 2015, les indicateurs de performance de la banque sont satisfaisants. En 2015, nous disposions d'un produit net bancaire, le PNB, d'environ 307 milliards. En 2016, à 340 milliards et aujourd'hui, dépassons les 380 milliards de produits net bancaires. En 2015, nous avons dû faire autour de 50 milliards de résultats nets contre 65 milliards et près de 70 milliards de résultats en 2017. Sur cette durée en moyenne, la BCG dispose d'une part de marché ressources de l'ordre de 22% et d'une part de marché remploi, c'est-à-dire les crédits, l'ordre de 18 à 20% selon le cas. Donc la BCG est un acteur majeur de l'activité bancaire de la République de Guinée. La BCG rassure aussi ses partenaires nationaux comme internationaux, conscients de trouver en elle une interlocutrice crédible. En cela, la BCG est exactement la banque d'un monde qui change. En atteste ses innovations constantes et adaptées aux réalités économiques actuelles. La BCG était la première banque à implémenter les guichets automatiques de banque, qu'on appelle GAB. Aujourd'hui, nous disposons d'une quarantaine sur l'ensemble du pays, à savoir faire des retraits à partir de sa carte. Ces cartes Visa permettent, selon la catégorie, à certains de nos clients de tirer
leur épargne à Dakar, à Paris, à Washington et partout. Elle est aussi dans une innovation de banque à distance, à savoir avec Internet, vous faites le virement, vous faites vos consultations de solde. Aujourd'hui, nous avons franchi le pas de faire le e-commerce, de permettre à nos clients commerçants de régler leurs factures, de faire leurs commandes via Internet. La BCI est donc au centre de la technologie bancaire en Guinée. Ses performances en termes de collecte d'épargne et de financement de l'économie renseignent à suffisance sur son impact considérable sur le devenir de la Guinée. La banque est très engagée dans le financement de l'économie. Nous finançons les grandes entreprises pour payer un cadre convivial à ses clients corporels. Nous avons créé depuis 7 ans le centre d'affaires corporate. Le centre d'affaires est donc un espace dans lequel on traite que des dossiers des grandes entreprises. On n'a pas négligé pour autant les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi, il y a 3 ou 4 ans, nous avons créé aussi un centre d'affaires destiné aux professionnels. La BCI peut être fière de distribuer à tout le moins 1500 milliards de crédits dans l'économie. Indépendamment de ça, évidemment, 1500 voire 1600 milliards de crédits, ça a un impact fort sur l'économie, ça a un effet d'entraînement sur les autres secteurs. La BCI effectivement est très bien ancrée dans le tissu économique de la République de Guinée. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Banque la plus dynamique, la plus forte de la Guinée. La palme sera remise ce soir à M. Manga Fodé-Touré, directeur général de la BCI, des mains de M. Barry Djibril, DG de Ecofinance, organisateur de ce gala des 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée. Félicitations à la BCI. Voilà, il faut préciser que c'est très important. Ce gala est le couronnement de la sélection de 100 entreprises. Monsieur Manga Fodé-Touré, directeur général de la BCI, vous avez sûrement un mot pour ce chaleureux public et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis très honoré de recevoir cette distinction. Je commencerai donc par remercier le groupe Ecofinance Entreprises pour son expertise. Mais en même temps, je voulais remercier tout le monde ici présent pour avoir pris de leur temps, sans oublier mes collaborateurs de tous les jours. Je pense que ma modeste personne ne représente rien pour cette distinction. Ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est la BCI de Forêt-Karia à Sigiri, de Koundara à Nzérékoré, et les différents points de vente de Conakry. C'est votre distinction, c'est quelque chose qui vient vraiment couronner vos efforts de tous les jours. Donc, vraiment un grand merci à tous mes collaborateurs et nous sommes donc tout à fait fiers d'avoir cette distinction. Merci. Félicitations à la BCI. Alfred, ça fait plaisir. Hein? Voilà, félicitations à la BCI.